Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le message de ce vendredi 13 novembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors pour ce dernier jour de la semaine, eh bien c'est la prise de conscience. Vous n'imaginez pas la richesse dans tous les sens du terme, n'est-ce pas, qui se cache et qui est prisonnière dans les nœuds de vos blessures, de vos peurs, de vos traumatismes qui ne sont pas résolus. Eh bien, vous pouvez vous autoriser à récupérer des informations, des mémoires auxquelles vous n'aviez pas accès auparavant. Car il existe aussi une libération au niveau de vos mémoires cellulaires, n'est-ce pas? Vous pouvez y accéder de cette façon à vos dossiers familiaux, même ceux qui sont gardés par la lourde vibration du secret. Alors cette prise de conscience, eh bien elle est très libératrice et elle a besoin d'être accompagnée avec une grande douceur, avec une grande compassion envers vous en premier, et les autres. Le plus possible et sans jugement. Cette carte, elle vient vous rappeler que le moment, eh bien, de la libération a sonné. C'est la magie de la guérison qui est en train d'arriver à vous. Bien évidemment, nous sommes en train de parler d'un processus graduel, n'est-ce pas? Et c'est très important que vous compreniez cela. Il peut aller très vite, parce que vous l'avez mûri sans même vous en apercevoir. Et il peut être plus ou moins pénible selon vos résistances. Mais n'oubliez pas, vous êtes le chef. Vous êtes le protagoniste de l'histoire. Et c'est vous, vous seul, qui décidez de sa profondeur, de sa vitesse, de son inconfort ou pas. Vous seul décidez. Comme je dis toujours, vous êtes le capitaine de votre vaisseau. Eh bien, ces ouvertures vont vous amener à un regard différent de la vie. Là où tout ce que vous avez vécu devient une succession de petits pas pour vous amener à connaître qui vous êtes véritablement. C'est tout ce que cette carte, eh bien, vous souhaite. Et moi, je vous le souhaite aussi. Alors aujourd'hui, je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé, que j'ai besoin de savoir
pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. On termine sur un très très beau message, n'est-ce pas? La prise de conscience, je dis, lorsque on prend conscience, on a fait déjà un pas en avant. Et c'est le premier pas qui compte dans n'importe quelle situation. Je vous souhaite à toutes et tous une toute belle journée, un excellent week-end. Je vous embrasse. Prenez soin de vous dans la douceur de ceux qui vous entourent et de ceux que vous aimez. On se retrouve pour un prochain message et d'ici là, soyez heureux. À tout bientôt.